Salut, c'est Mélanie. Je voulais vous parler d'un petit album jeunesse très très chouette qu'on a reçu aujourd'hui et on a tous craqué dessus. Ça s'appelle Cette année lapin. C'est écrit et illustré par Chiara Floud aux éditions Circonflexe. Monsieur l'ours, en fait, habite dans sa maison, tout tranquille. Il est bien et il aime bien sa vie toute pépère à côté de la forêt. Sauf, parce qu'il y a toujours un sauf dans ces histoires-là. Il y a une famille de lapins qui s'installe à côté de chez lui. Et bon, bah bon an, bah non, les lapins, ils ont envie de connaître leurs voisins. Sauf que le monsieur l'ours, oh, il s'en moque, il a envie d'être tranquille, tranquille, tranquille. Donc une fois les lapins, ils vont aller le voir. Est-ce que vous auriez du miel? Non, j'ai pas de miel. Bon, ok, bah ils repartent penauds. Et voilà, 2, 3 fois, 4, 12, 10 000 fois, ils vont essayer d'aller le voir. Et à chaque fois, le l'ours va répondre exactement la même chose. Jusqu'au jour où en fait, il va se rendre compte que bah, ces petits lapins qui lui demandaient plein de petites choses comme ça, c'était uniquement pour faire connaissance avec lui et pour partager avec lui leur bonne humeur et leur envie de partager et de faire connaissance simplement. Donc bah, l'ours, il va tout faire, tout faire. Il va aller chercher ses pots de miel, il va aller couper du bois, tout amener à ses voisins pour finalement avoir une belle histoire d'amitié qui va débuter avec eux. Voilà, donc je répète Cette année lapin aux éditions Circonflexe.